Juste Non, là, mais voilà. ça, c'est des gens qui ont apporté Ouais. un souvenir. Qui... Alors, oui, les gens, la dernière Toutes ces drogue, la pipe pierres et tout. qu'ils ont Ce amenées, qui elles est, viennent du monde entier, ces pierres qu'il y a là-dessus. bien, là, comme on a un appui, la lame qui coupe, c'est celle-ci. C'est Hein? Donc, comme on a pour un appuyer appui, sur celui-là. il faudrait que l'appui soit plutôt en haut. Tu vois, comme D'accord, ça c'est tout sert un pas trop arrache le. pas. Hein? Ça n'arrache pas. Alors, ici, tu vas le mettre comme ça, assez proche, et tu vas couper loin ce sable. Jean-Jacques, tu contrôles, hein? Toi, Comme pas toi quand même. Hein. Exactement, ouais. Ouh là là, Alors, puis maintenant, celui-là, pour que ça fasse l'engrais, parce qu'il va pourrir ce sarment, tu le coupes en morceaux de 15 ou mais 20 il va bien pour faire centimètres. la raclette, non? Oui, il va bien pour faire la raclette aussi. Voilà. Après, on va tailler celui-ci. Ouais, finissez celui-là. Celui-ci, alors, on va aussi reprendre le sarment de dessous, même s'il n'est pas superbement bien placé. Mais on va le tailler un peu plus long pour espérer qu'après la corne puisse partir un petit peu sur ce côté. Ouais, tu vas y aller comme ça. Puis après, tu vas couper. Celui-là, en fait, on va peut-être le laisser à double. C'est un cèpe qui commence à pousser un peu comme il faut. Hein. Après, on va faire une corne qui va s'écarter un petit peu. Et puis, on va le prendre un petit peu plus court et on va le couper par là. C'est juste, là, et puis attention. on viendra les comme ça, on, ouais, comme ça. Puis on viendra les bourgeonner pour lui donner vraiment un petit super, peu de super, en fait, super. Voilà. Jean-Bernard. À partir de mi-avril, ce cèpe va pousser. Il va pousser, il va y avoir des sarments, un ou deux sarments qui vont sortir à chaque œil. Et puis on va pouvoir mieux régler pour lui donner la forme qu'on voudrait pour la suite. Super. D'accord. Alors, celui-là, il reste encore un peu. Ah, c'est celui de la...